Salut, c'est Meryl, on est dans la box pour Énergie Anti. On y va. Go, bro. Meryl, alors, Cindy, merci maman. Meryl, pourquoi ? Parce que je pouvais pas m'appeler Cindy la rappeuse. C'est nul. On va dire ça, voilà. Et un jour, quand j'ai commencé à faire mon freestyle, quand j'ai commencé avec Specta, il fallait que je me trouve un blaze, quoi. Et avec ma bonne soeur, mon cousin, on a cherché toute l'après-midi un nom. Et Meryl, parce que ma soeur avait une amie de classe qui n'allait jamais en cours et qui dort, enfin, une espèce de coque comme ça. Et qui lui rappelait moi, et donc voilà, écoute, hein, j'ai pris, c'est court, efficace, Meryl, allez, voilà, c'est bon. Alors, puisqu'on rentre dans les questions personnelles, pourquoi Cindy? Parce que ma mère aimait beaucoup un son de C. Jérôme ou Jérôme C, et la chanson faisait Cindy, Cindy, tes poupées s'ennuient. Cindy, Cindy. Et elle aimait beaucoup ce son, donc voilà. Joueur en caviar. Caviar, c'est réservé à un certain monde social, quoi. Et jouer avant caviar, ben, c'est jouer avant l'aisance, quoi. Le jouer avant la stabilité financière et tout ce qui s'ensuit, quoi. Je m'entends très bien avec le motif, c'est mon frère. Je m'entends bien avec Shai, elle est gaulerie de ouf. Je m'entends bien avec Titoff. Je m'entends bien avec tout le monde. Je m'entends bien avec tout le monde. Spectre, ça c'est... vas-y, la base. Mais sinon, je m'entends bien avec tout le monde. J'ai pas de problème particulier avec tout va bien. Alors voilà, là j'ai un coup de cœur sur Maureen, je crois, sur Martinique, et elle chante moi en caflex mon baguette nous en loudé en basse. Je trouve que même dans la personnalité, dans la façon de faire, elle a un truc. Et Josie qui a sorti sa mixtape 4 là dernièrement, je trouve que il a un délire dans la drill. Et aussi Matt, je trouve que c'est il réfléchit, il est pas con. Ouais. Matt, il a... Tu vois, moi, depuis Surface, son dernier projet, j'ai compris. Je sais qu'il... Enfin, je sais pas, Il a un truc. Il a un truc et il est motivé. C'est-à-dire que le Planet Rap, en vrai, quand j'ai dit à Missy que j'avais un Planet Rap et que je souhaitais l'inviter, il était en Guadeloupe. C'est pas le gars qui a pris un billet d'avion pour venir... Non, il est chaud, il est trop chaud. Il est motivé. J'aime ça. J'aime bien ça. Rihanna. Ouais. Rihanna, c'est... Je pense que tout le monde va te répondre la même chose, mais elle représente beaucoup aussi. Rihanna, après, il y en a d'autres. Tu vois. J'aime beaucoup Aya. Pour moi, c'est une diva, genre. C'est au même titre, elle a la même place qu'une Rihanna, tu vois, par exemple, c'est genre, parce qu'elle c'est vraiment une queen avec le charisme. Et elle arrive avec son style et elle boisse tout, enfin, tu vois. Elle a tout pété et c'est cool. Puis j'aime bien Rima aussi dernièrement. Rima, je le trouve très très fort dans la mélodie. Il est très 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 très, genre, très, très fort, Rima. Écoute, non, j'attends parce que apparemment elle a travaillé avec Kofi, elle a travaillé avec, ouais, apparemment elle fait un album caribéen apparemment, donc moi j'attends, c'est bon pour la culture, quoi, donc ouais, voilà, j'attends. Trop. Non, mais je t'ai dit, après Jouer avant caviar, c'est un projet qui a été préparé il y a deux ans, un an et demi. Donc on a beaucoup de sons, quoi. Donc on attend juste le moment opportun.
ma recette pour un son parfait qui est sincérité, mélodie, et pas mélodie forcément, mais gimmick en tout cas. Un truc que les gens, un petit gimmick piège qui va entrer dans ta tête, et, mais sincérité d'abord. Véracité du propos aussi, c'est important. Ouais. Rivian, Lambi, cinéma, oui. Oui, mais là, déjà abandonné, t'as vu, on a grandi, mes genoux sont plus très bons. La mort bientôt. Non, le cinéma, oui. Le cinéma, j'aurais tout aimé. N'importe lequel, en vrai. En fait, c'est... non. En tout cas, un rôle, là, c'est... un premier rôle, s'il vous plaît. Hein? Et un rôle assez charismatique. Ou une bonne sœur, tiens, pourquoi pas. Voilà, 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 exactement. Avec une bonne sœur avec beaucoup de caractère qui révolutionne un peu le monde de la religion. Ou bien une activiste, je sais pas moi, je sais pas, j'en sais rien. En tout cas, genre avec beaucoup de poigne. On y va. Go, bro. Non, oui, fort, on le fait, fort. Bien sûr, je peux pas. Je l'ai trop regardé. Je l'ai trop regardé faire. Hein. Vas-y, on va en studio, on bosse. On est ensemble. Ouais. Ouais, c'est pas bien. Hein. C'est pas bien, je valide pas. Mais après, j'ai fait la différence entre l'artiste. Après, pas tout le temps, parce que genre, R. Kelly, fuck, tu vois ce que je veux dire. Mais un problème de. Je valide archi pas, mais c'est des problèmes de couple comme ça. En plus, c'est. Enfin, je sais pas s'il faut. Non, je valide pas de toute façon l'acte. Mais écoute, j'étais tellement fan, ouais, non, je rigole. Non, je sais pas, là, en tout cas, non, je me mêle pas de ça, mais en tout cas, c'est, je valide, alors je sais pas, mais le business, c'est le business, on fait, s'il faut qu'on taffe ensemble, on taffe ensemble. Zouk, Love in J80s, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. C'est-à-dire qu'il y a des classiques, il y a Fanny G qui c'est une grande chanteuse de Zouk. Je l'aime, je t'aime. C'est moi, tu t'étais trompé. Je l'aime. Princess Love, ok, une queen. Non, franchement, le zouk, il y a trop de sons pour que. Et même, je connais pas forcément les sons, mais on les a tellement entendus en baptême, en communion, un truc comme ça que ça reste dans nos têtes, quoi. Ouais. Waouh, franchement les deux, pour le coup les deux. Le bouillon j'adore. Les châtains j'adore. Je vais arriver. Reggae parce que les mélodies sont ouf. Par exemple un gars comme Romain Virgo, sale de ouf. Niveau mélodie, Jackyo, j'adore. Des voix incroyables. Et que j'aime trop, hein. Venez seulement. Non, en fait, c'est pas une commune touristique où tu vas découvrir des choses. C'est une commune assez rurale, atypique. Mais en fait, on a tous grandi ensemble et on se connaît tous. Et c'est cool, quoi. L'ambiance est chaleureuse. Viens boire un verre avec nous, tu vas passer un bon moment. Et tous les spiritains, ils ont cette âme-là de fête comme ça. Là. C'est vraiment chaleureux, de ouf. Parole inutile, gars, toute journée, hein, voilà, c'est la fête, quoi. Voilà, c'est ça. Double Super Mados. Avec, hein. Ça fut une époque. C'est fini, les conneries.